ma chaîne, j'espère que vous allez bien et je suis juste hyper hyper contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment, si vous me suivez sur Instagram notamment with Hasnabi, le lien est en barre d'informations. Vous savez que j'ai passé un peu plus d'un mois en France et donc là je suis de retour à Singapour, un peu fatiguée mais super contente et surtout motivée pour cette année 2020. Alors on va commencer les filles sans plus tarder avec une vidéo donc mode. Vous savez que je suis une passionnée de mode, que j'aime bien vous faire des lookbooks et écoutez, j'espère vraiment que 2020 on va continuer ça ensemble. Donc les filles, je vais vous faire découvrir une nouvelle marque qui vient de débarquer, qui est du Nord. Oui, vive les ch'tis. J'ai eu l'occasion d'aller au showroom de cette marque lors du lancement et franchement, il y a de jolies pièces. C'est vrai que la personne m'avait contactée avant en me disant voilà, je pense que c'est tout à fait ton style, je veux que tu représentes la marque, etc. Et je vous assure que ben oui, je me retrouve pas mal dans ce style. En tout cas, je vais vous montrer tout ça. Vous avez vous voyez un peu derrière, mais je vais vous montrer. Je vais tout porter. Voilà, c'est un lookbook, revue. Vous dire un peu pourquoi j'ai choisi les pièces, etc. Alors, la marque dont je vais vous parler, c'est la marque Zik Collection. Plus qu'une marque, c'est vrai que j'essaie à chaque fois de vous parler des personnes qui sont derrière les marques, puisqu'il ne faut pas oublier qu'une marque, oui, c'est avant tout une personne. Très souvent des entrepreneuses quand même qui sont passionnées. Et effectivement, là, c'est une maman adorable. Mais quand je vous dis adorable, vraiment adorable. C'est vrai que je suis super contente dans ce travail, en tout cas, qui est le mien à l'heure actuelle, de découvrir de nouvelles choses, de rencontrer surtout des personnes passionnées, de travailler avec ces personnes-là. Et on va commencer sans plus tarder parce que je ne fais que parler. Les filles, pour le lancement, il y a moins 30%, donc pas de code promo. Vous allez sur le site internet, vous allez voir que tous les articles sont à moins 30% et les prix sont très abordables. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Franchement, il y a de jolies pièces. Et on va commencer avec la première, c'est celle que je porte, c'est cette magnifique robe. Je la trouve canon. Alors, est-ce qu'on va voir la matière dans la vidéo? Je ne sais pas trop si on va bien la voir, mais elle est, y a du relief en fait, il y a un peu de velours. Elle est juste magnifique, la coupe est super belle. Je l'ai prise en taille S. J'ai rien à dire, j'ai vraiment rien à dire. Je la trouve magnifique, je la trouve classe. Le mélange de couleurs, le noir, c'est... Voilà, ça c'est tout moi. Franchement, je la trouve super, 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 super jolie. Je vous la recommande à 2000%. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez. On va continuer les filles avec cette deuxième pièce. J'ai flashé sur ce manteau, enfin c'est une veste. Lorsque je l'ai vue, je me suis dit non, franchement celle-ci, elle est juste canon. Je l'ai prise en taille S. Donc dans le lookbook, je vais la porter avec différentes tenues. Vous allez voir par la suite. Mais là, je l'ai portée par exemple avec cette robe noire que je vous ai montrée juste avant. Je la trouve juste canon, canon, canon. Bien sûr, ce n'est pas une veste pour l'hiver, sauf si vous portez... Je l'ai portée moi avec un gros pull, vous voyez, un gros pull et un sous-pull. C'est vrai que c'est pas une veste qui tient chaud, mais si vous mettez un pull, un sous-pull en dessous, pourquoi pas la porter pendant l'hiver. Quand j'ai quitté la France, il n'y faisait pas si froid que ça. Donc voilà, elle est juste canon, la longueur, la coupe, j'aime tout, 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 j'aime tout. C'est un genre d'imperméable finalement en simili-cuir qui est juste top. Toujours dans le même esprit, j'ai vraiment hésité entre les deux et finalement je me suis dit bon non, allez, je les prends les deux parce que cet imperméable, il est juste canon. Encore une fois, pas pour l'hiver, mais vous allez voir que l'hiver va passer hyper vite, mais c'est vraiment un intemporel, un trench. Ce que j'aime bien, c'est que le tissu, il est, comment dire, c'est un tissu, vous voyez, il est hyper fluide, il est facile à maintenir, vous voyez, c'est pas les trench qui marquent et que vous devez repasser, ou là pour le coup il est juste canon, un basique encore une fois. Vous allez voir que dans cette vidéo je vous présente quand même pas mal de pièces dans les tons neutres, à part, bon ok, cette robe que je porte, mais je trouve quand même que ça reste assez neutre quand même, c'est pas hyper coloré, j'ai quand même pris pas mal de pièces, on va dire basiques, des intemporelles finalement que vous pouvez ressortir tout au long de l'année. Donc voilà pour cette petite veste que je vais encore une fois porter, vous allez voir de différentes manières, je la porterai certainement dans différents looks dans la vidéo. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque certains looks seront tout simplement photographiés, donc en tout cas les looks que je préfère, dès que j'ai l'occasion, je photographie en général et je vous partage ça sur Instagram, donc with Hasnabi. On va rester les filles dans les manteaux puisqu'on est dans les manteaux, hein. On va continuer avec les manteaux. Alors il y a ce manteau camel qui est juste là, qui est canon, canon, canon. Je ne l'ai pas encore porté, enfin je l'ai essayé hein, bien sûr, je l'ai essayé, mais je le trouve juste super beau. Alors pour les manteaux, elle propose deux manteaux, il me semble, celui-ci et un autre crème que je vais vous montrer. Et ces deux manteaux-là sont faits à la main, sont faits main. Donc voilà, d'ailleurs il ne faut pas hésiter à enlever cette petite étiquette handmade qui est ici. Et donc c'est de la laine, c'est de la laine à 50% je crois. Attendez, je vais vérifier ça tout de suite pour ne pas dire de bêtises. Donc il y a 50% de laine dedans, il est super agréable, il est super beau. Encore une fois,
Si vous remarquerez certainement dans dans mon feed que je retourne un peu dans les basiques, et c'est vrai que ça reste encore une fois un basique, c'est une couleur qui ressort chaque année. C'est un bon investissement, voilà, c'est de la laine en plus, ça tient chaud, c'est beau, c'est classe. Par contre, le manteau que je vais vous montrer juste après, il est juste canon. Je trouve qu'il fait super chic, mais vous pouvez encore une fois le porter bien sûr au quotidien. Hein. Donc les filles, voici le manteau dont je vous parlais. C'est un long manteau, il est canon. Il est canon, canon, canon. Que ça soit la couleur elle est canon, la coupe est canon, je l'ai pris en taille S. J'aurais même pu le prendre en taille M, hein, je pense, en taille M, voilà. Il est juste super beau, encore une fois, donc mélange de laine. Il y a 50% de laine dans ce manteau. J'ai rien à vous dire. Écoutez, je crois que les images vous parlent d'elles-mêmes. Alors les filles, on va continuer avec un imprimé qui est l'imprimé léopard. Il ressort tout le temps, hein. Chaque année on a droit au léopard. Alors quand je l'ai montré, puisque je suis allée, vous verrez le vlog hein, plus tard, je suis allée avec Ahmed le jour du showroom. Celle-ci, j'hésitais un peu et je lui ai montré, pas porté, je lui ai montré, je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses. Il m'a dit oh bof. Et je me suis dit bon, parce que des fois les hommes il faut pas les écouter, et je me suis dit je vais la passer quand même pour voir. Et quand je l'ai essayé, je me suis dit oh non, mais elle est canon. Et je lui ai dit mais heureusement que je t'ai pas écouté. Non, franchement, elle est super, super jolie. Elle est super belle. Alors la matière, c'est un genre de, je sais pas quoi, on dirait un peu du daim, mais hyper doux, hyper doux. Et ce que j'aime bien, c'est que ça fait très chic. Vous voyez le côté un peu doré qu'il y a dans la robe, je la trouve juste ultra chic, super belle. La longueur, elle est juste parfaite. Vous pouvez porter ça avec un legging, vous pouvez la porter avec des bottes, vraiment vous portez ça un peu comme vous voulez. Mais je la trouve, c'est vrai que je la trouve super belle. Et encore une fois, comme je vous disais, le léopard, c'est un bon investissement. C'est un truc qui ressort chaque année, chaque année, chaque année, que ce soit en hiver, en été, ça ressort tout le temps. Et celle-ci est juste magnifique. Et les filles, avec cette robe qui est aussi, j'ai pas arrêté de le dire, hein. J'ai flashé dessus, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé juste canon. Regardez comment elle est classe, vous voyez, ça fait plisser. Elle est donc très plissée au niveau du haut, et ensuite au niveau du bas, on a quelque chose d'un peu plus large. Le tissu, il est beau, les couleurs. Encore une fois, comme je vous disais, ça reste classe, ça reste sobre, un mélange de marron avec de jolies petites fleurs blanches, noires. J'aime beaucoup le col, j'aime tout. La fluidité de la robe, je trouve que ça fait juste super, super, super classe. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, si vous validez ou pas mes choix. Ah. Ok les filles, on va continuer avec deux pièces. J'ai d'ailleurs fait un look avec ces pièces-ci. Alors là, j'ai un pull. Pour le coup, je savais que je n'allais pas le porter à Singapour, donc je l'ai vite porté. Vous le verrez d'ailleurs dans le vlog Bruxelles. Je l'ai porté lorsque je suis allée à Bruxelles. Ce pull qui est super agréable, qui est super joli, encore une fois un basique. Ce que j'aime bien, c'est la longueur. Vous pouvez porter ça avec un legging, des bottes, même des cuissardes, parce qu'il est quand même très long. Hein. Ou alors tout simplement porter ça avec un jean, c'est ce que j'ai fait. Donc je l'ai porté avec un jean, je l'ai associé à un jean, une petite paire de baskets. Vous pouvez porter des petites bottines pour que ça fasse beaucoup plus classe, hein, si vous voulez. En tout cas, moi je voulais être à l'aise ce jour-là. Donc du coup, j'ai porté ça avec ce jean ici. Vous voyez, tout simple, un basique en taille 36, parfait, il me va parfaitement, il n'y a rien à dire au niveau de la longueur, la coupe, il est hyper confortable. Et alors, étant donné qu'il faisait un petit peu froid quand même ce jour-là à Bruxelles, j'ai rajouté donc la veste crème, le manteau crème pardon, que je vous ai montré. Et bah écoutez, tout sera sur Instagram pour cette tenue ici. On va continuer avec deux autres pièces. En fait, c'est un look, j'ai essayé de créer des looks, hein. J'ai choisi ce pull ici, je ne sais pas si on va voir les détails, mais il y a des petites paillettes argentées, mais subtiles, vraiment subtiles. On dirait du velours, c'est hyper doux. J'aime beaucoup le fait que, vous voyez, il n'y a pas de couture. Par contre, il n'y a pas de fil hein, qui dépasse. Hein. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'associer ce haut avec du noir. Et j'ai choisi donc ce pantalon palazzo noir, hyper, hyper, hyper fluide. Il est hyper, le tissu, il est super bon. On dirait un peu en tissu d'abaya, vous voyez, un légèrement satiné. Il est juste canon. Après ça, franchement, je vois bien ça avec un, vous pouvez porter ça avec un jean, vous pouvez porter ça avec avec une jupe, vraiment comme vous voulez. Mais en tout cas, je voulais vous proposer une tenue un peu classe, un peu classe, un peu beaucoup classe même. Voilà, donc voilà pour ces deux pièces ici. Alors on va continuer. Donc les filles, j'aurais pu vous faire un lookbook hein, mais j'aime bien donner mon avis quand même sur les vêtements, parce que c'est vrai que des fois les lookbooks, écoutez, porter le vêtement est super beau, mais bah, des fois la qualité n'est pas terrible, ou la coupe, ou peut-être qu'il faut prendre une taille au-dessus. Donc je préfère en tout cas commenter. Vous me direz d'ailleurs si ce format vous plaît, mais en tout cas moi j'aime bien faire ce type de vidéo. Voilà, alors les filles, un basique, la chemise blanche, une chemise blanche
hyper simple, hyper, vous voyez, elle est longue ici, elle est assez longue, donc ça reste quand même des vêtements modestes, hein, taille S. C'est un mélange de coton et d'élastane, c'est plus souple, vous voyez, il y a un léger satiné, un léger effet, vous voyez. Bon bref, c'est un petit détail, hein. Mais donc chemise, et alors le pantalon ici en jean, je ne sais pas comment je vais vous le montrer, j'ai flashé sur la coupe, donc c'est un jean taille haute. Vous voyez, avec une taille élastique. Alors normalement, ce jean vient avec une genre de ceinture, il me semble, hein, il me semble qu'il y a une petite ceinture sac. C'est pas trop le type d'article que je porte, donc du coup je n'ai pas pris, j'ai pas pris la ceinture, mais normalement il vient avec la ceinture, mais je trouve canon. Je trouve franchement la coupe, vous voyez, c'est large. J'aime beaucoup le fait que ça remonte comme ça. Je trouve que ça fait super, super classe. Voilà les filles pour cette tenue-là. Prochaine tenue, j'ai gardé donc la même chemise blanche. Et alors, pour le coup, j'ai ajouté donc ce pantalon. Je l'ai retourné. Je vais vous expliquer pourquoi je retourne. C'est une astuce pour moi. Alors, ce pantalon en simili-cuir, j'aime bien retourner pour pas marquer en fait le simili-cuir. Donc, je retourne le pantalon et je l'accroche donc au cintre. Pour tout simplement éviter d'avoir une trace, vous voyez. Alors ce pantalon, je l'ai pris en taille M, je l'ai essayé en taille S et il m'allait, mais j'aime bien me sentir à l'aise et j'avais envie d'une coupe, j'aurais même pu le prendre, je le prends en taille L, sincèrement. J'aime bien, en tout cas pour ce type de pantalon, avoir quelque chose d'un petit peu plus décontracté, pas trop près du corps, on va dire. Une fois que je tombe sur ce type de pantalon, j'aime beaucoup, mais la coupe ne me va pas. Là, pour le coup, il est parfait. Continuons, on arrive bientôt à la fin. Alors les filles, le prochain look, c'est un look qui fait très hiver, automne, que très simple, mais que j'aime aussi énormément. Alors ici, on a un sous-pull noir à col, vous voyez, le basique, basique, tout doux. Imprimé léopard, mais je ne pouvais pas résister, regardez comment elle est jolie. Elle est trop jolie, vous voyez, avec les petits détails comme ça, la coupe un peu plissée, les petits boutons, elle est juste trop trop belle. Encore une fois, je vais vous la porter. Ça, vous la gardez précieusement et vous la faites sortir à chaque fois, pas besoin d'en acheter 10 000. Bon les filles, on arrive à une pièce sur laquelle j'ai flashé aussi. C'est cet ensemble qui est juste magnifique. Il existe en marron foncé, il me semble, en noir. Je crois qu'il y a trois couleurs. Bref, en tout cas, j'ai choisi cette couleur-ci, que je trouve intemporelle, encore une fois, super jolie. Ah bah écoutez, j'ai rien à vous dire. J'aime beaucoup la coupe du pantalon. C'est pas un pantalon, c'est un pantalon qui est large, mais pas trop large. Vous voyez, c'est pas un palazzo. La longueur de la veste, elle est parfaite. Voilà, franchement, elle est juste parfaite. Elle est épaisse, hein. Ce n'est pas une veste, ce n'est pas un tailleur d'été, on va dire. C'est vraiment un tailleur pour la saison. Vous mettez ça avec un beau manteau par-dessus. Certainement que je vais aussi porter cette tenue-là avec le manteau, en tout cas ici. Je la trouve juste parfaite. J'aime beaucoup les poches. En ce moment, j'aime bien les tailleurs. D'ailleurs, c'est que ça fait classe, ça fait habillé. Et il n'y a pas besoin de se prendre la tête, une paire de baskets ou encore une fois une paire de talons. Et ça peut faire super joli. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, je l'aime beaucoup. Je l'ai repassé, hein. J'ai fait un petit coup de repassage. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup. Je l'ai pris en taille S. J'ai choisi tous les articles en taille S, excepté le pantalon que j'ai choisi donc en simili-cuir en taille M. À la fin de la vidéo, donc ce que j'ai bien aimé en fait dans cette marque, c'est que finalement il y a un mélange de styles et tout le monde peut s'y retrouver. Alors elle a des vêtements qui sont, on va dire, plus modestes, vous voyez, les abayas, les longues robes, ce genre d'articles là, et donc c'est ce que je vais vous montrer, j'ai choisi trois ensembles super beaux. Encore une fois, vous allez voir, je vous montre ça, ça a rien que je vous parle, je vais vous montrer ça. Tout le monde peut retrouver son style dans cette marque Z Collection. Alors les filles, j'ai choisi cet ensemble ici noir qui est super beau. C'est un tissu qui est quand même un peu épais, il est hyper doux, hyper souple. C'est une robe, enfin c'est une robe, non, c'est un haut avec une genre de ceinture. Je vous montrerai, hein, je vais porter ça avec une genre de ceinture. Je trouve ça super classe avec un pantalon large. Bien sûr, un haut et un pantalon que vous pouvez utiliser ensemble puisque c'est un ensemble, ou alors séparément. Mais ça, c'est basique, c'est un basique. Je trouve super classe, vraiment super classe. Il me semble qu'il y avait d'autres couleurs, mais j'ai pris du noir parce que voilà, le noir c'est la vie. Et alors j'ai deux autres articles à vous montrer. Alors j'ai cet ensemble-ci, regardez la couleur, comment elle est jolie, à volant. Alors vous voyez, c'est un peu comme ça avec des volants, donc, qui vient encore une fois avec un pantalon. Il y a différentes couleurs qui existent. J'ai choisi cette couleur un peu top parce que voilà, j'ai beaucoup aimé le tissu. C'est un genre de tissu d'arabaya, vous voyez, hyper frais, hyper fluide. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est encore une fois un haut que vous pouvez utiliser séparément
porter avec un pantalon noir, porter avec une jupe, porter avec un jean, et vous pouvez aussi porter ça ensemble. Donc super joli, en taille S. Là pour le coup, on est vraiment sur des vêtements qui sont quand même très confortables, qui sont amples, qui sont longs. Et alors les filles, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est cette abaya. Elle existe aussi en noir, mais je l'ai prise en top aussi, il me semble. J'ai pris la crème. Elle est simple, hein. Elle est hyper simple. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie, elle est vraiment jolie. Le tissu, il est hyper, hyper beau. Voilà, écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire. Et c'est la dernière pièce que j'avais à vous montrer de mon choix, en tout cas chez Zig Collection. Sachez que c'est peut-être, allez, on va dire 30%, non allez, on va dire 40% de ce qu'elle présente. Il y a énormément d'autres articles que j'ai tout simplement pas choisi parce que il y a en ce moment donc la collection... automne-hiver, donc du coup c'est vrai que je me suis dit ce sont des pièces que je ne pourrais pas forcément porter à Singapour, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet, je vous mettrai donc tous les liens en barre d'information des articles que je vous ai montrés, et bien sûr je vous mettrai donc le lien de son site internet, n'hésitez pas à aller faire un tour, n'hésitez pas les filles, ben, écoutez, à vous faire plaisir, à supporter aussi cette jeune entrepreneuse. En tout cas je suis super contente de découvrir en tout cas des marques, vous voyez, qui... dans lesquelles je me retrouve, ces tendances, et en même temps ça reste modeste. Ce que j'aime bien, c'est vraiment, comme je vous disais, cette facette multiple de la femme que l'on retrouve en tout cas dans le choix qu'elle nous a proposé, cette personne-là, sur son site. Voilà les filles, je pense que j'ai terminé. Moins 30% sur tout le site. Dites-moi les filles en commentaire les pièces que vous avez préférées, celles que vous avez moins préférées, dites-moi surtout celles que vous avez préférées. En tout cas, si je peux même pas choisir, mais il y a quand même plusieurs pièces coup de cœur pour moi, dont cette robe que je trouve juste canon, canon, canon. Sur ce les filles, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me soutenir en partageant la vidéo, en likant, en commentant. N'hésitez pas les filles aussi à me suivre sur Instagram, withhasnabi. Merci d'être nombreuses à me suivre, merci d'ailleurs aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver, merci aux anciennes qui sont toujours fidèles et qui sont encore là. Donc les filles, n'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît, format voilà, blabla, lookbook. Et voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.